Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus et nous voilà repartis avec nos survivants. Ça devient de plus en plus difficile. Sur les trois, il y en a deux qui ont faim. Il y en a un qui est en phase terminale de sa maladie, donc j'arrive pas à le récupérer malheureusement. On vient de se faire voler normalement. Donc on va voir ça. Vu que Roman est dans les choux là, il est en train de guérir, il peut plus défendre la maison et c'est le seul qui sait se battre. Donc on s'est fait piller, ils nous ont pris d'ailleurs notre seule arme à feu, du sucre et de l'eau. Donc a priori, ils vont essayer de... comment ça s'appelle? Ils vont essayer de faire de l'alcool avec tout ça. Ouais, c'est ça. Alors, c'est parti. Ah, je pensais que j'avais déjà un repas. Il nous faut 3 d'eau et un composant. Tu vas constater que reposer Arika. Faut qu'on essaye de choper encore un peu de bouffe et des médicaments, ça serait bien. Hop, on va fabriquer ça. On va faire quelques combustibles aussi, on va lancer le filtre à eau pour pouvoir faire au moins un repas. Il faudrait que... comment il s'appelle? Il arrive à manger Roman, sinon il va jamais s'en sortir. J'aurais dû plus respecter ces temps de repos malheureusement. Et nos pièges qui donnent rien, hein. J'espérais, franchement j'espérais. Dans nos affaires, on a combien d'eau? On a 0, donc on pourra faire juste un repas. C'est pas beaucoup. Ah si, on a réussi à avoir 2 de viande là. Parfait. Allez, zo. On va essayer d'augmenter le niveau de métallurgie, de se prendre une petite scie. Pour que quand Arika aille se balader, on puisse avoir accès à... genre dans le supermarché, réserver médicaments à choper. Ça peut être intéressant d'y aller juste avec une petite scie. Et de ramasser tout le tabac qu'on avait pour l'échanger. Hop, c'est parti. Donc on a 4 en bouffe là. Non, c'est ça qu'il faut voir. Il nous manque la pompe à chaleur. D'ailleurs, la pompe à chaleur, je crois qu'on peut la construire là. Ah, il a des choses à troquer. On va falloir qu'on arrive à lui sortir quelque chose d'intéressant. Parfait. On peut augmenter ça. Il y a quelqu'un à la porte, je sais. Et nous, on a quoi? On a 2 couteaux. Un peu de bouffe. Ah, c'est chaud. Je sais pas si j'investis des ressources pour essayer de guérir Roman. Parce que je pense que s'il meurt, ça va être la... ça va être la fin. On va avoir un effet boule de neige dans le mauvais sens. C'est un foutu cercle vicieux. Attends, déjà, vois si tu peux pas faire une petite scie. Une hache, une lame à scie. Parfait. On va en fabriquer une. On en aura une pour le prochain coup. Je pense qu'on va essayer de faire un tour au supermarché pour récupérer les restes de médicaments. On va voir ce qu'ils nous disent dans la... on va voir ce qu'ils nous disent dans le descriptif. Je crois qu'il nous reste des médocs là-bas. Ça peut être intéressant. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que t'as à échanger, mon beau? Des choses très intéressantes. Très ordinaire, pas très intéressant. Rien de spécial, mais pas mal quand même. Très ordinaire, rien de spécial. Rien de spécial, mais pas mal quand même. Il me faudrait un légume en fait. Ok, on a réussi à avoir un marché. On a un légume, ça nous permet de nous faire 2 repas. D'une traite. Ouais, il va falloir une sacrée proposition, je sais. Non, je peux pas la... je vais pas pouvoir faire. Je le dismiss, je vais le renvoyer. On va attendre d'avoir un petit peu d'eau.
Je vais regarder ce qu'il me faut pour faire les repas là, les rations. Elle a repris des forces, c'est déjà ça. Et il me reste la lampe à chaleur à faire. 5 d'eau, on n'en aura que 4, c'est dommage ça. Et du combustible. On va faire ça. On va peut-être pas faire à bouffer aujourd'hui, même s'il commence à avoir très très faim. On va voir combien d'eau ça nous fait tout ça. On va mettre Bruno à se reposer. Ouais, on a que 4 d'eau. Il nous en faudrait une autre. Allez, c'est parti. Je crois qu'on a peut-être le temps. Non, on n'aura pas le temps. On l'aura pour le lendemain. Le lendemain, on pourra faire 2 repas. 2, 3, 4, 5. On pourra faire 5 repas, ça me semble quand même honnête. Tout le monde a faim, je le comprends bien. Il me faut 5 heures, ça me fait arriver à 19h. Ah, on peut peut-être y arriver. Ah, la différence entre le jour 15 et le jour 16 est assez faramineuse quand même. On n'arrivera pas à récupérer. On va terminer la journée. Dormir, dormir. Tu vas monter la garde. On n'a rien de nouveau malheureusement. Supermarché. Quelques médicaments. C'est pas beaucoup, hein. Beaucoup de matériaux, beaucoup d'armes. Une famille s'est barricadée dans cette maison, mais les pilleurs ont réussi à rentrer malgré leurs efforts. Elle est restée abandonnée depuis. Nous y trouverons peut-être quelque chose que les pilleurs ont oublié ou laissé derrière eux. Les quelques médicaments m'intéressent et les armes aussi. Et je crois qu'il y avait besoin d'une scie à cet endroit-là. Non, là, il y a des gens qui y vivent. Il y a 10 jours, il y a 16 jours. Je crois que c'est notre premier run, hein. Il n'y a rien de plus vieux. Il y a 6 jours, il y en a 9. 4, 5, 13. Le croisement des tireurs d'élite. Beaucoup de médicaments. Ouais, mais il faudrait que je m'infiltre dans la maison, ça va pas être pratique. Celui-là, je sais que je peux y arriver facilement. Le croisement des tireurs d'élite, j'ai un doute. Si jamais on arrive à être un peu plus serein, on y ira. Allez, c'est parti. On va prendre ça. Je crois que ça peut ouvrir qu'une seule grille, après ça casse. C'est un consommable qui vaut très très cher. Ouais, c'est là-haut qu'il faut aller. Alors déjà, on va commencer là. Bon, au moins on aura quelques ressources. Ah oui, ça, faut passer par là. On va voir tout ce qu'on a laissé. Ok. Le frigo, on l'avait looté. De toute façon, on a de la bouffe à la maison. C'est d'autres ressources qu'il me faut. Ouais, d'ailleurs, on n'a pas besoin de douille. On va avoir besoin de tout ça. Si on trouve quelques engrenages, on les prendra. Fertilisant. Ah, ouf. Oui, ça, c'est bon. Fertilisant, je suis obligé de le prendre. Et je suis obligé de prendre aussi les composants électriques. Parce qu'on commence à en avoir sacrément besoin. Il doit y avoir un rat là-haut. On va voir si on a laissé des choses dans le frigo. S'il y a de la flotte, je le prendrai peut-être. Il reste de la bouffe, parfait. Et beaucoup de sucre. Allez, on va voir en haut ce qu'il y a. Ah, c'est dans le truc qui était là. Ok, c'est pas la station service en fait. Composants électriques, on les a. On avait laissé pas mal de choses quand même, hein. Ouf. On va virer le fertilisant là, on n'en aura pas besoin tout de suite. On va prendre les médocs plutôt. Ça devait être les quelques médicaments qui restaient. Et les armes doivent être dans l'armoire là-bas. Heureusement j'ai rien pour l'ouvrir. Je crois qu'on va peut-être essayer avec la... Peut-être que la scie qu'on a faite nous permettra d'ouvrir ça. On va essayer, on va déblayer. Ouais, je sais, ça prend un temps fou sans pelle. Mais il faut. Il
Il faut. Là, on peut voir la zone de bruit que ça fait un déblayé à main nue. Elle est énorme. C'est les cercles concentriques qu'il y a autour de d'Arika. Ça commence à se déblayer. Sachant que là, il suffit qu'il y ait des pilleurs qui rentrent et ils peuvent nous blesser Bruno, par exemple, vu que c'est lui qui va se défendre. On peut avoir Roman qui va mourir et Bruno qui claque. Et là, on se retrouve plus qu'avec Arika et on est quasiment sûr que si Arika se retrouve seule, normalement, soit elle partira pour essayer de s'enfuir et tenter sa chance autre part, donc nous perdrons. Soit elle se suicidera. Je l'ai déjà vu, c'est pas beau. Et ça fait pas plaisir de perdre là-dessus. Et je crois que c'est le crochet qui permet d'ouvrir ça. On aura quand même ramené un peu de médicaments, un peu de bouffe, donc au final le run n'est pas si mal que ça. Ok, non, donc je peux pas avec la scie. Fait chier. Bon, je pense qu'on va courir vers la sortie. Attends, on va déjà déblayer ça. Ça sert à rien de garder une porte barricadée. Et Cassos! Il y a toujours beaucoup de matériaux là-bas, on l'a vu. Il y a beaucoup de sucre aussi. Jour 18. On avance petit à petit. Ok, la nuit était calme. Et on a ramené pas mal de choses quand même. On va préparer à bouffer. Pourquoi il est triste? Est-ce qu'il y a de la nourriture à quelqu'un? Il faut que je mange quelque chose. Ah, il a très faim, il va nous bouffer deux repas, ça veut dire. Allez, c'est parti, fabriquer. Il a très faim. Et elle a juste faim. Donc c'est Arika qui va se sacrifier. Là, on va investir des ressources. On va essayer de sauver Roman. Vous voyez, là, je lui demande de courir. Ça se voit, il transpire la... transpire la santé, hein. Allez. D'accord, donc il lui faut des vrais médocs. Ça ne servira plus. 14 degrés, ça tient encore. Allez, mange, mange à ta faim. C'est peut-être ton dernier repas. Oh, on a de la bouffe encore en bas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut qu'on se refasse. Voilà. Un filtre. Si on veut, on peut manger la nourriture brute. Il nous faut deux morceaux de viande pour pouvoir faire l'équivalent d'un repas. La scie pourrait fonctionner. Faut qu'on trouve l'endroit où la scie fonctionnera le mieux, la façon la plus intéressante, sans prendre trop de risques. Et je m'en souviens plus, pour être honnête. C'était un peu au petit bonheur la chance. Oui, on peut t'aider. On va avoir besoin de faire monter le moral, donc oui, il va falloir qu'on l'aide d'ailleurs. Je pense que ça va être intéressant et important. Je crois qu'on peut peut-être se permettre de bouffer un petit peu. Hop, on relance. Ce piège-là a quand même bien donné. On va faire la lampe à chaleur. On va voir ce qu'on a besoin pour augmenter, pour faire un jardin des plantes. Parce que si on arrive à avoir de la bouffe un peu de temps en temps avec les deux pièges qu'on a mis, avec un de légumes de temps en temps, on va pouvoir tenir avec les repas. Comme on peut, mais on tiendra. Ok, la lampe à chaleur, on est bon. C'était quand la dernière fois que j'ai fumé? C'est une bonne question, mais est-ce que c'est important? Fumer tue, semble-t-il. Moins vite qu'une maladie en phase terminale, mais ça tue quand même. Ouais, Arika, on va la faire bouffer. Et là, si ils ont besoin d'aide, on va envoyer Bruno. J'espère qu'il survivra. À la fin. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'on va être obligé de le laisser seul. Allez, Arika va manger ça.
On va voir si on peut pas faire un... Normalement, on peut faire un repas avec ça, donc on va économiser un peu de nourriture. Il nous faut un peu plus d'eau et des combustibles. 4, 9, donc on aura suffisamment. Il nous faudrait 4 combustibles. Vous avez l'air sympathique, je m'appelle Zlata, avant j'étudiais à l'Académie de musique, mais elle a fermé à cause de la guerre. Et si on restait ensemble pour le moment, nous pourrions nous entraider. En plus, rien de tel qu'un peu de compagnie pour retrouver le sourire. Alors cette personne-là, Zlata, donne des bonus quand on a le moral qui tombe. Je vais l'accepter. Je me pose pas de questions, je l'accepte. A besoin de repos, donc tu vas aller te reposer, ma coquine, j'allais dire. Lol. Et on va faire à bouffer avec Bruno, il nous consommera peut-être moins de ressources pour faire les plats. Ok, ça dort. Il va nous falloir un troisième lit pour être sûr d'avoir le turnover suffisant, le roulement suffisant pour le roulement suffisant pour que tout le monde puisse se reposer. On va attendre un peu que l'eau proc là-bas. Et Arika, on va voir si on a de quoi faire un lit. On n'a pas de quoi faire un lit, il nous manque des planches concrètement. Et on va voir ce qu'il nous faut pour upgrade en bas. Une quinzaine de composants, 3 engrenages et une douzaine de planches. Ouais, il faudrait qu'on ramène que ça en fait. Et l'eau... C'est bon, on a récolté l'eau avec le purificateur. On peut faire deux repas. Et je vais demander à Rika de se nourrir à même les réserves. Et Bruno, on va lui faire manger les deux repas. J'espère que ça suffira. Va falloir qu'on ait un run un peu chanceux là. A toujours faim. Et il a besoin de repos, malheureusement il peut pas se reposer. On va voir si elle se lève, quoiqu'elle arrive peut-être un peu tard pour pouvoir se lever. Parce que si elle se lève avant la fin de la journée là, c'est-à-dire qu'on pourrait envoyer Bruno se reposer, on entamerait la nuit avec 3 personnes de reposer. On a 2 bouffes, on est 4. Ça va être compliqué. Il faudrait que je ramasse masse ressources. Une douzaine de planches et une quinzaine de composants et 3 engrenages pour ça. Je vais le noter. 15, 12 et 3. Ça, je vais le garder en tête. J'espère que... Ouais, mais Zata, en fait, elle va rester au lit tant qu'elle sera pas soignée. On va terminer la journée. Alors lui va dormir dans un lit. Elle va partir collecter et Zata va monter la garde. Ouf, elle loot à 12. Elle va partir collecter. Arika va se défendre, dormir, dormir. Ok. Un dernier petit run. Il va falloir que je trouve l'école bombardée. Je crois qu'il y a un truc intéressant là-dedans. Il y a une grille à couper. On va se le tenter. Au pire, on ramènera énormément de... quantité énorme de matériaux, on ramènera au moins ça. En plus on a 12, donc là on va pouvoir ramener beaucoup de choses. Il me faut la scie. Et on va partir collecter. Ouais, il nous reste quasiment plus rien là. Et là on voit que même quand elle va se déplacer, voilà, elle fait beaucoup plus de bruit. Ok, barricadé de l'autre côté. Qu'on aille là-bas. On se dépêche un peu. Normalement, il n'y a pas grand monde. Les personnes sont tout en bas dans les sous-sols. Hop, on continue de courir. Voilà, on a nos premiers loot qui sont ici. On n'a pas laissé grand-chose, dis donc. On va regarder ça. Je crois qu'il y a une salle de cours qui est fermée avec une grille. On va tout prendre.
On avance. Waouh. Ok, on est plein de matériaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exactement ce qu'il nous faut en bois. Malheureusement, on n'aura pas de quoi faire des filtres ou quoi que ce soit pour manger. Et une quinzaine de 3. Ok. Donc ça, on peut l'enlever et on peut prendre du bois supplémentaire si on le souhaite. Et on va essayer de trouver directement des choses plus utiles que ça. Voilà, c'est là qu'on n'avait pas pu accéder à ça. Je vais regarder s'il n'y a pas un autre endroit avec une grille. Peut-être par là. Composant électrique, pas forcément besoin. Alors on sait qu'il y a la grille qui est ici. Voilà, on descend. On ouvre. On va y aller discrètement maintenant, ça sert à rien de rusher. Il y a un rat. Ok, il y a quelqu'un qui est au sol. On va pas le réveiller. On va même refermer la porte derrière nous. Quelqu'un qui est au sol ici. Il y a du monde. On va essayer de rentrer dans la pharmacie là-bas. On va essayer de revoir le frigo. Je sais pas si j'ai laissé des choses dans le frigo. Ok, on est plein. Ah oui, ici, là, dans leur caisse, il y a quelque chose à prendre. Ok, bandage, médicaments. C'est parti. Là on est bon. Même si on n'a pas assez de ressources, c'est pas grave. Je pense que ça vaut le coup. Bon, on va dire. Ok. On va descendre. Là on pourrait les voler, mais ça nous ferait descendre drastiquement le moral et ils réagiraient pas forcément bien. Après je pense pas qu'ils puissent me blesser, je cours plus vite qu'eux. Mais bon, c'est quand même une prise de risque. Les engrenages, on sera obligé de les trouver plus tard. Là, pour l'instant, ce qu'on a trouvé, c'est vraiment bon. Quitte à faire un deuxième run ici, s'il le faut. Un peu d'eau, beaucoup de matériaux. Ok, j'avais tout foutu là. On va retourner voir ici. Il y a ici. Ah ouais, mais là il faut voler. C'est pas forcément une bonne idée. Mais c'est un jardin de plantes comme on souhaite le faire chez nous. On va plutôt les taper dans des ressources brutes direct. Allez, vas-y, on se dépêche. On la réveille même pas, ça se trouve c'est un cadavre. On va aller scier ça. Et on va péter cette barricade. Alors on va voir si ça lui pète la lame de scie. Ça nous l'a pété. On a un emplacement de vide. Pété. Allez, faites qu'il y ait des choses intéressantes. De l'alcool à échanger. Je prends. Punaise, s'il n'y a que ça, ça aura pas été un bon investissement. Bon, on a masse médicaments, ça c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. On a de l'école, l'alcool à échanger. Alors on va peut-être retrouver quelque chose quelque part. Ok, c'est parti. Et on peut s'enfuir. Zlata est de retour. Bon, on va voir comment s'est passée la nuit. Et je vais couper cette vidéo ici. Jour 19. Petit à petit, on avance, on avance. Bon, on voit toujours Roman dans le lit, donc a priori, il sera encore en vie. J'ai les bandages, occupons-nous de cette blessure. Oui, il faut qu'on la soigne, Zlata. On a été pillé. Arika a été légèrement blessée. Ok. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à mercredi prochain pour la suite de nos aventures. Et oui, j'espère que ça vous a plu, parce que moi ça me plaît bien en tout cas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis bye bye !